longtemps sévi dans l'équipe nationale. Et vous allez voir peut-être un autre style. Et c'est parti pour la première ligne ronde. Saulnes. Série en avant, terminée par une vrille et demie et une sortie de praticable. Rappelez-vous que la sortie de praticable peut coûter très très cher, notamment en finale, puisque c'est un dixième de point. Double saut périlleux tendu avec un saut périlleux avant demi-tour en punch front. Et les fameux cercles Thomas, issus des arçons, répétés ici au sol. Voilà, grand écart facial et montée à la planche. Saut de main, vrillé demi et saut périlleux avant un quart, arrivé à plat ventre, ce qui est une originalité. Et il termine en full in, c'est-à-dire double saut périlleux arrière avec une vrille dans le premier tour. Eh bien, c'est un bon travail et je pense qu'il va être difficile de les départager. Le travail de juge n'est pas toujours facile, même si parfois la polémique s'établit sur le jugement, n'est-ce pas Patrice? Alors un petit pronostic, Mary, à votre avis. Écoutez, je suis toujours très prudent quant au jugement. J'ai été entraîneur très très longtemps, souvent déphasé par rapport au juge ou opposé au juge. Donc je préfère leur laisser cette responsabilité. Mais enfin, peut-être un programme un petit peu plus difficile chez notre ami biélorusse. Vous pensez qu'éventuellement les problèmes géographiques, des pays qui seraient plus proches que d'autres peuvent jouer, ou c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas? Dire que ça n'existe pas, le jugement est humain, Patrice, et des gens peut-être d'une même culture auraient tendance à dire qu'eh bien, à valeur égale, on aurait un petit coup de cœur pour des compatriotes ou pour des gens proches, ça peut arriver. Enfin, je pense que les juges sont quand même intègres et font très très bien leur métier.